Moi salut tout le monde qui regarde vidéo ça mesdames et messieurs, c'est un plaisir jodi a là pour que les nouvel haïtien tout partout capable rentrer la caillou pour nous venir partager bon gens information ensemble avoir. Jodi en pile nan nou nou pou tomba qui marqué la espagnol là, qui gagne Haïti d'un côté, qui gagne Haïti d'un côté et Haïti d'un côté République Dominicaine de l'autre. En pile moi la mande pour qui raison. On connaît ça déjà. Mais jodi a là, nous pral corriger cahier les autorités dominicaines. Nous besoin ça. Et me veut chaque haïtien cap vivre sous bout de ça, kembe information ça parce que haïtien c'est domaine yo, yo besoin bagay qui pour booster yo pour mettre au camper face à dominicain. Mesdames et messieurs, moi tombé sous yon pendant faire recherche, tombé sous Guichard Doré qui c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse, monsieur son sociologue et économiste, monsieur te font poste. Et puis, là il fait poste pour montrer que importance Rivière Massacre là par rapport à Haïti à République Dominicaine. Et puis de là étant, moi dit que bon mal font recherche hein, parce que c'est important. Tendez ça m'bral dit là, mesdames et messieurs. En 1863, t'es bon guerre entre République Dominicaine et l'Espagne. Guerre ça, y'a relé la restauration de l'indépendance dominicaine. La guerre de la restauration de l'indépendance dominicaine. Il y a besoin pour Dominicaine, pour République Dominicaine, reprendre le territoire complètement dans l'Espagne. Donc, guerre ça, il y a le fait entre 16 août 1863 jusqu'à 15 juillet 1865 qui était opposé, mais qui t'a défendu l'indépendance République Dominicaine avec l'Espagne. Et en juillet 1865, nous venons joindre que République Dominicaine vient remporter victoire. Maintenant, dans remporter victoire, là, mesdames et messieurs, vous pouvez attendre qui côté Haïti, qui vient jouer un gros rôle dans la guerre ça. Haïti te joue un gros tonton rôle dans la guerre ça. Et si pas Haïti, République Dominicaine pas ta guerre. Mesdames et messieurs, on entend des détails. Dans l'époque, ça, c'était président Fab Geffrard qui était là. Pour République Dominicaine, c'était Santana. Président Santana lui écrit président Fab Geffrard pour le faire connaître que il a besoin de support yo dans la bataille pour qu'il remporte victoire. L'histoire rapporte que non seulement président haïtien Fab Geffrard lui contribuait avec les armes avec libération République Dominicaine en bas mais espagnol yo. Mais Fab Geffrard l'était hébergé généreusement Haïti, généreusement en Haïti, Haïti ouvert porte li pour que gagne des dirigeants nationalistes dominicains rentrer la caille non pour y être organisé de différents soulèvements contre occupation espagnole là à partir de territoire haïtien. Moi vle tout haïtien tande ça. Moi pas gen cloche mais tande c'est l'ambiance gen l'a soufflé le jodi a. Parce que écoutez mes chers amis. Là on a fait avec moun qui remet blié. Là on a fait avec moun qui toujours pensé yo pi bon passé nous. C'est circonstance qui fait ça ou arrivé là. Mais on a les mesdames et messieurs. M'pral bon plusieurs bagailles qui fait pendant ça. En 1859 à 1865, soutien Fab Geffrard président haïtien avec dominicain. Laisse ça, nous gagnons président Pedro Santana qui était décrété annexion pour déconnecter avec l'Espagne. En 1861, yo dit que la marine espagnole était basée Cuba. Côté que qui menace Geffrard de représailles judiciaires et bombardements Port-au-Prince, s'il continuait, tenez bien, s'il continuait soutenir Dominique dans la bataille là, yo dit Geffrard li bay zam, il ravitaille troupio qui t'a participé dans le premier combat entre Espagnol et Dominicain. Mesdames et messieurs, yo là. Geffrard dit que je suis conscient du fait que une puissance européenne
qui fortement présente à Cuba, à Porto Rico et sous l'île là, qui a contrarié ambition haïtienne de domination totale de l'île là. Donc, attendez, mesdames et messieurs, il dit que plan futur dans les contrôles des partis espagnols là, après défaite bataille, Saint-Thomé et Sabana en 1856. Maintenant, mesdames et messieurs, dès que Dominicains ont commencé en 1861, action guérilla contre occupation espagnole, là, l'histoire rapporte que le président Fab Geffrard était solidaire avec Dominicains, avec troupes, ZAM, équipement, uniforme, malgré menace que l'Espagne t'a fait sous Fab Geffrard. Mesdames et messieurs, entendez quelques bagailles. Pour qui ça m'a venu avec ça pour nous? C'est parce que il y a deux bagailles qui sont extrêmement importantes pour nous connaître. Lorsque Santana vient remporter Guerlain sous l'Espagne, ou t'as tout Edwin nous baille. Attendez, nous ouvrir la caille nous permet que nèg yo vini organiser réunion, vini chita fon bagay, etc. Nous même tout participer dans réunion pour connaître comment on prend bataille pour camper indépendance dominicaine nan. Ça fait un. Deuxièmement, monsieur mande aide avec Haïti, nous dit on aller, mais aide n'a baille, nous baille zam, nous baille équipement, nous baille munitions, nous baille soldats tout oui. Et en plus de ça, n'a prend menace en bas mais espagnol yo. Maintenant mesdames et messieurs, Santana vient gagner bataille là. Maintenant, Santana pral écrit président Fab Geffrard en bagaille. Santana pral dit Fab Geffrard comme ça que écoutez, nous gagnons bataille là. Maintenant, qui ça peuple dominicain doit Haïti. Mesdames et messieurs, attendez bien. Président Fab Geffrard répond, lui dit que peuple dominicain pas droit peuple haïtien rien. Attendez, peuple dominicain, lui pas droit peuple haïtien rien. Lui dit que nous seulement fait devoir nous. Les tissus nous un problème, faut grande sœur ya, lui porter assistance à secours à grande sœur ya. Tendons parole. Tendez, oui. Président Fab Geffrard dit que les petits soeurs ont un problème. Faut grande soeur l'hypothé assistance à secours. Maintenant, mesdames et messieurs, Santana qui ouè ça, son gros bagay. Santana dit que m'bral fon bagay pour peuple dominicain songe bagay ça. Qui ça Santana fait? Santana baptisé Younan rue en République Dominicaine de nom Fab Geffrard. Rue ça aujourd'hui elle relé Abraham Lincoln capital. Rue qui relé Abraham Lincoln non, il était baptisé Fab Geffrard pour qui raison? Pour faire peuple dominicain songer. Les espagnols t'a mettre pied sous coup dominicain. Les Cuba, Porto Rico, yo t'es bon côté l'Espagne. Haïti, t'es bon côté Saint-Domingue. Et, autorité, n'est qui t'a mené bataillon, Haïti t'es ouvert porte largement large, dit rentre monsieur Vinchita. Sans pas m'en rien. Qui ça nous besoin? Et de là étant, nous fournir tout ça au besoin. Je ne j'en dis, président Abinadel, avant de venir à Abinadel, je parle en 1937 avec Joachim Balaguer, sans mémoire, sans scrupule, qui massacrait des milliers d'Haïtiens juste pour le territoire dominicain. Quelques temps après, mes chers amis, avec Toro Sar, le président Luis Corona Abinader, à deux ou trois reprises, mandé Haïti guerre publiquement
en envoyant ses troupes sur frontière, char blindé, hélicoptère, avion de guerre et de gros munitions. Pour qui ça? Juste pour défendre un petit canal. Donc, je dis à mesdames et messieurs, l'on dominicain campé devant haïtien pour le dire ça, m'ba nos paroles. Comme yon parent aimé, li yon pas qu'on lit tout. L'on dominicain campé devant haïtien pour la battre l'estomac, nous pas rien. Ou ap di oui, nous comprenons nous pas rien. Mais retournez en arrière avec yon deal. Est-ce que vous songez dans l'histoire ou guerre la restauration de l'indépendance dominicaine qui était faite de 1863 à 1865? Le ça. C'était président, nous c'était le président Santana. En Haïti, nous t'avons Fab Geffroy. Allemande, à moun qui connaît, qui sa Fab Geffroy, qui sa Haïti te fait pour ce domaine. Sou pa vle bal détail. Ou pouke son bal vidéo sa, me fait vidéo sa pour montrer. Tendez, je ne j'en dis, on moun ka levé kontou. Le levé kontou, c'est parce que le sans mémoire. Le levé kontou, c'est parce que le bagayen en tête li. Nous songe, oui, te kon ba kon sa Haïti te fait. Venezuela. Mais tout haïtien te fâché sous président Jovenel Moïse. Tout haïtien. Haïtien te dit, président Jovenel Moïse, ou pas de droit pour sanctionner Venezuela comme ça. Parce que Venezuela lui supporte dans toute bagaille. Et le ça, Maduro campé pour dire que, peuple haïtien, nous pas besoin de problème. Moi connais son dirigeant qui compte Venezuela, mais c'est pas Haïti. Mes chers amis, les faits historiques, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Donc, tant de vidéos, ça, c'est pour aujourd'hui. Président Abinader a fait tout ça que fait yo. Pas tap genyen yo jodi a la. En bas mais espagnol yo sans nous. Jodi a, yo fè la kayo bay Cuba. Yo fè la kayo bay l'Espagne pa kèt côté. Yo fè mèl pour nous, pas de problème. Mais ça là, nous doit prendre ça. Donc, la vidéo ça, m'pa kite le plus long que grave là, chers amis. M'gen l'autre information pour le partager à vous. Mais attendez. M'vle entendre ça. La guerre de la restauration de l'indépendance dominicaine. Côté que qui te mette en face dominicain ensemble avec espagnol. République dominicaine et l'Espagne. Haïti, te là. Pour yo, gros pression. Nous prenons gros pression. Mais nous dit que, si chè nous n'en problème, nous même gant chè n'en kopé. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour que Nat te kapote information pour nous toujours là pour nous faire content. Bye bye, à la prochaine.